de ce circuit des 24 heures du Mans. On a l'arrêt de la Jota, Bruno, la Jota qui est en train de se faire. On voit en image replay une petite frayeur là du côté du M7 Breton Racing avec la Porsche qui est de retour à l'événement. Et puis c'est peut-être important de rappeler aussi Bruno justement ce qui est nouveau, c'est que les nouveaux carburants cette année aux 24 heures du Mans, c'est 65% de CO2 en moins, il n'y a pas de pétrole. Et ça c'est bien, il faut chez Total là, qui nous permettra à nous aussi, pourquoi pas si on n'a pas envie forcément de passer à l'électrique, de continuer à utiliser des carburants qui ne polluent pas. De l'hybride avec un carburant comparable dans une version voiture monsieur madame tout le monde. C'est vrai que cette année voilà. Pour le trophée concurrent sur la scène des podiums, mais on a rentré la Porsche numéro 77 dans son stand. Elle est en difficulté. J'ai pas le sentiment que ce soit pour un problème technique grave, mais plutôt peut-être un replay où la voiture faisait une erreur de trajectoire. On a pu juste prendre l'échappatoire. Effectivement, voilà, en catégorie GTEA, on ne peut pas se permettre de se faire des entrées. Et donc, si la Porsche 77 est dépassée par sa consoeur de clé, à son volant, Fred Cordade. Aston Martin, Porsche, Aston Martin. Et donc, Porsche pour la cinquième place. Donc, on va changer de course ici. À la cinquième place, on est à 77, la 14. Ça, c'est si la 77 ne sort pas. Partant de, en parlant de sortir, la numéro 7 est repartie. Donc, on se retrouve bien avec. La marque numéro 1 mondial de TV1. Retrouvez nos villages pour vivre une expérience de vision. Sur la route, une vision optimale, c'est la clé pour vivre sereinement et avec toute sécurité. Bonne course à tous avec Essilor. Puis même si l'arrivée approche, ce sera qu'à dans 2h18, il n'empêche, il faut faire attention à vous toutes et tous, les petits, les grands, les plus âgés, les plus jeunes. Le bruit dépasse largement les 110 décibels au bord du circuit. Il est donc essentiel de protéger les oreilles de chacun. Il y a eu aussi une frayeur dans le secteur du virage Porsche.
drapeau retiré de la zone de l'Indalope. Encore une fois, vous avez vu ou revu ces derniers instants sur les écrans géants ce petit de Thomas Merrill. Attention à ne pas craquer, sifflet du but, car les écarts étant catégorie le moins d'un quart de trajectoire. Régulière, c'est la branche numéro 91 qui est en tête. Le branche GT Team avec Richard Alizzo, volant de la numéro 91, qui est devant 48 secondes de la Ferrari F Corse numéro 51, laquelle peut compter également sur la protection de la voiture sœur, la est avec 3 minutes 6 de retard, mais à 3 minutes 49 d'avance sur la Porsche numéro 92. Michael, la Ferrari Riley 33e et rappelons le les deux Corvettes qui ont donc toutes les deux abandonnées. Oui, rapidement, vous dire que sur la 77, en fait, c'est un problème. Il y a une pièce, apparemment, au niveau de la suspension avant droite qui a cassé pour le moment. Et voilà, on a forcément coûté beaucoup de temps. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais c'est très gros. Le fils d'Andy Prio, l'équipier de l'officiel BMW, champion des voitures autorisées, reste au volant. Les opérations vont prendre un certain temps. C'est parti de succès en personne. Très concentré à nous agresser ça à l'oreille, mais sans répondre aux interviews. Alors, clairement, de revenir, disait il y a quelques instants, Patrick Dempsey, de reprendre la piste pour pouvoir marquer des points au championnat. C'est ce que l'oreille essaie de faire. Et dans le même temps,